nous sommes en train d'étudier les neuf conditions pour devenir et demeurer disciple. We are studying the nine conditions to become and remain the disciple. Tel que le professeur Zacharias Tanifumum l'a analysé dans son livre Faire des disciples. As Professor Zacharias Tanifumum analyzed it in his book entitled The Making of Disciples. Quelqu'un va lire pour nous Luc chapitre 14 verset 33. Somebody is going to read for us Luke chapter 14 verse 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Luke chapter 14 verse 33. In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Amen. Vous notez ceci. Note this. À travers cette exigence, il faut noter trois choses. Through these requirements, there are three things to be noted. Une personne ne peut renoncer à ce qu'il n'a pas. A person cannot give up that which he does not possess. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. This is the first thing to be retained. Tu ne peux pas renoncer à ce que tu n'as pas. You cannot give up that which you don't possess. Il faut être un travailleur qui possède afin de pouvoir renoncer. You must be a worker who possesses in order to be able to give up. C'est la deuxième réalité. This is the second reality. Il faut être un travailleur qui possède afin de pouvoir renoncer. You must be a worker who possesses in order to give up. Troisième chose. Third thing. Renoncer à tout est un acte. Giving up everything is an act. Il s'agit vraiment de tout, tout. It is about everything. Tout ce qu'on possède doit être séparé du moi. All that which we possess must be separated from the self. Tout ce qu'on possède doit être séparé du moi. All that we possess must be separated from the self. Et doit être séparé du monde. And must also be separated from the world. Et tout doit être placé devant Dieu à la disposition de Dieu. And everything must be set before God to the disposal of God. Voilà les trois choses qu'il faut retenir pour résumer la pensée ou l'esprit du renoncement à tout. And these are the three things that must be retained in order to summarize the thought about giving up everything. Vous notez ceci. Note this. Le Seigneur est sensible à ce à quoi on dispose ce qu'on a. The Lord is sensitive to that which we dispose or that which we possess. Ce que tu possèdes est à la disposition de qui ou de quoi. That which you possess is at the disposal of whom, of what. Les enfants de Dieu doivent tout faire pour avoir des biens. The children of God must strive to possess wealth. Ils doivent avoir des richesses. They must have riches. Ils doivent avoir des choses qu'ils peuvent placer à la disposition de Dieu. They must possess things that they can set to the disposal of God. Des biens qu'ils peuvent mettre à la disposition de la conquête. Goods that they can set, that can give for the conquest. Des richesses qu'ils peuvent placer sous le règne de Jésus-Christ. Riches that they can set under the reign of Jesus. Il ne faut pas être paresseux et pauvre et dire que tu as renoncé à tout. You must not be lazy and poor and say that you have given up everything. Un élève, un étudiant doit tout faire pour avoir tous les diplômes avant de pouvoir renoncer à ces diplômes-là. A pupil or a student must do everything he can in order to possess all the certificates before giving up. Un commerçant, un chef d'entreprise doit tout faire pour prospérer, pour posséder, afin de pouvoir consacrer à Dieu, afin de pouvoir renoncer et placer à la disposition de Dieu. A trader or a businessman must do all in order to possess and after
set it to the disposal of God. Quelqu'un a écrit au frère Zach. Somebody wrote to Brother Zach. Il dit, ma menuiserie ne marche pas, donc je vais aller en mission. He said that my carpentry does not work, so I want to go to mission. Le frère Zach lui a répondu par écrit. Brother Zach wrote him back. Que si tu n'as pas pu soumettre le bois sous ton autorité, tu ne pourras pas soumettre une nation. That tu ne pourras pas soumettre les âmes sous ton autorité. That if you have not been able to submit the wood to your authority, you will not be able to submit a nation to your authority. Si tu échoues dans les affaires, if you fail in the businesses, et que tu n'as rien, and that you possess nothing, tu n'auras rien à donner, rien à renoncer. You have nothing to give and nothing to give up. Lis pour nous les questions dans la page 36 et 38. Read for us the questions in pages 36 and 30 up to 38. Réponds honnêtement aux questions suivantes. Car tu risques de les confronter sous une autre forme devant le tribunal de Christ, et cela peut être bientôt. As-tu renoncé à ton emploi? Y travailles-tu avec le seul but de glorifier le Seigneur et de gagner de l'argent pour le dépenser dans l'entreprise de l'Évangile? 2. Où est ton trésor? Où est ton trésor? 3. As-tu renoncé à ton salaire? As-tu renoncé à ton salaire? 4. As-tu donné par un acte personnel de soumission tout ton salaire, ton terrain, tes maisons, tes économies, etc. au Seigneur? 5. As-tu renoncé à ton droit à l'aisance, au luxe, au confort? As-tu renoncé à ton droit à l'aisance, au luxe, au confort? Es-tu en train de vivre pratiquement le renoncement sur une base quotidienne? 6. As-tu renoncé à ton droit au goût raffiné dans les vêtements et dans les aliments, etc.? 7. As-tu des plans d'acheter une voiture, un terrain, une maison, etc., que le Seigneur n'a pas approuvé? 8. Qu'as-tu comme trésor sur terre? Fais une liste de ces choses. Est-il là où la teigne et la rouille et les voleurs et autres ne parviendront pas? Qu'as-tu comme trésor sur terre? Fais une liste de ces choses. Est-il là où la teigne et la rouille et les voleurs et autres ne parviendront pas? 9. Gardes-tu l'argent en banque pour le soustraire des besoins courants de l'Évangile, alors que le Seigneur ne t'a pas personnellement demandé de le garder pour lui en ce moment? Gardes-tu l'argent en banque pour le soustraire des besoins courants de l'Évangile, alors que le Seigneur ne t'a pas personnellement demandé de le garder pour lui en ce moment? 10. Le Seigneur t'a-t-il demandé de donner de l'argent pour son œuvre maintenant, mais que tu n'as pas encore donné? Que feras-tu à ce sujet? 11. Te rassures-tu que l'argent que tu investis dans les différents projets qui semblent être entrepris au nom du Seigneur est réellement de l'argent donné au centre de la volonté de Dieu et à son ordre? 12. Peux-tu décrire ton alimentation, ton logement, ton habillement, ta manière générale de dépenser de l'argent comme digne du Seigneur? 13. Fais-tu tout ce que tu peux pour améliorer ta position financière afin d'avoir plus d'argent à investir dans l'entreprise de l'Évangile? Ceci peut être l'achat d'un terrain, la construction de maisons ou la mise sur pied d'une entreprise.
honnête. 14. As-tu jamais supplié le Seigneur ou un de ses serviteurs de t'accorder l'honneur d'accepter ton don pour l'investir dans l'œuvre de l'Évangile? 15. Combien as-tu déjà envoyé dans ton compte au ciel? 16. Es-tu libéré de l'amour de l'argent, des choses, etc.? 17. Es-tu satisfait de ce que tu possèdes en ce moment? Ou bien y a-t-il un désir ardent pour en avoir plus? Amen. 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 Lisons dans Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Let us read in Luke chapter 12 from verse 15 to 21. Luc. Amen. Amen. Lisons dans Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Let us read in Luke chapter 12 from verse 15 to 21. Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Pour résumer la pensée des questions qui ont été posées, to summarize the thought of the questions that were asked, qui sont tirés du livre Faire des disciples que nous étudions depuis un bon moment. They have been drawn from the book that is entitled The Making of Disciples that we are studying from a certain time. Un livre de professeur Zacharia Tanifomom. It's a book written by Professor Zacharia Tanifomom. Nous utilisons l'édition Livre Chrétien. And we are using the edition named Livre Chrétien. Dieu n'est pas contre la richesse. God is not against richness. C'est ce que Jésus nous apprend dans cette parabole que nous venons de lire. This is what Jesus teaches us in this parable we have just read. Mais Dieu est contre ceux qui sont riches pour leur ventre. But God is against those who are rich for their belly. Ils sont riches pour eux-mêmes. They are rich for themselves. Ils sont riches pour leur orgueil. They are rich for their own pride. Ils utilisent les richesses pour la promotion de soi. They used riches for the promotion of the self. Vous voyez l'histoire de cet homme qui avait cultivé les terres et qui avait récolté beaucoup de biens. You see the story of this man who grew in his plantation and harvested a lot of things. Sa première pensée n'est pas de louer Dieu. His first thought was not to praise God. C'est de planifier comment sécuriser sa récolte. It is to plan how to secure his harvest. Et planifier comment il va manger sa récolte. Il va jouir de la vie avec ses biens. And also plan how he will enjoy life with his wealth. Ses terres avaient produit beaucoup de biens. His plantation produced a lot of wealth. Il s'est dit: je veux abattre les greniers. And he said, I'm going to make barns. Il dit: j'en bâtirai de plus grands.
He said, I will build greater. J'y amasserai toute ma récolte. And I will keep all my harvest in it. Et tous mes biens. And all my goods. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. Et je dirai à mon âme, and I will say to myself, mon âme, you, tu as beaucoup de biens en réserve. You have plenty of good things laid up pour plusieurs années. For many years. Repose-toi. Take life easy. Mange. Eat. Bois. Drink. Et réjouis-toi. And be merry. Vous voyez? You see? Même certains n'ont pas dit ça, mais leur vie obéit à cette philosophie, à cette sagesse païenne. Some did not say this, but their life is an evidence that they have the same mind as this man. La manière dont un homme utilise ses revenus, the way a man uses his incomes, peut montrer que celui-ci est de la catégorie de ceux qui s'enrichissent pour leur vente. Must can show that he is of those who get rich for their belly. De ceux qui disent à leur âme. Of those who tell the soul, mon âme, my soul, repose-toi. Rest. Tu as beaucoup de biens en réserve. You have a lot of goods. Mange. Eat. C'est ça que Dieu condamne. This is what God condemns. Sinon, tu peux être multimilliardaire. Otherwise, you can be a billionaire. Dieu a rendu Salomon extrêmement riche. God made Solomon extremely rich. L'argent était commun. Tout le monde avait l'argent, tout le monde avait l'or, tout le monde était riche. Money was common. Everybody had money. Everybody was rich. Tout le monde mangeait. Everybody ate. Sa table même, on n'a pas le temps ici de la décrire. Even his table, we cannot have time here to describe it. Qui lui avait donné ça, c'est Dieu. Who gave it to him? It is God. Dieu peut te rendre extrêmement riche. God can make you extremely rich. Dieu peut te donner une grande réputation. God can give you a great fame. Mais, but, toi tu dois renoncer à tout ça. You must give up all these. Autrement dit, otherwise, tu dois tout faire. You must do all pour que ta réputation for your fame serve aux intérêts de Christ, de l'Évangile. Serve the interests of the gospel of Christ. Ta position your familiale, your family position, doit travailler pour l'Évangile. Must work for the gospel. Ta position administrative, your administrative position, doit être au service de l'Évangile. Must serve the gospel. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Ton village, ta race, ta nation, ta tribu, your village, pour la gloire de Dieu et pour l'Évangile. Your race, your tribe, for the glory of God and for the gospel. Ne te glorifie pas de ton appartenance à telle tribu ou à telle race. Do not boast of belonging of such a tribe or such a race. Glorifie-toi en Dieu et mets tous tes atouts, soumets-les à la gloire de l'Évangile. Boast in the Lord and all that you possess, you must submit them to the glory of the gospel. Ne mets pas ton argent dans ta poche, tu dis, oh mon âme, tu as beaucoup d'argent, mange, bois. Do not put your money in your pocket and say, oh my soul, you have a lot of money, drink, eat. Sauve le monde. Save the world. Tu peux entreprendre des choses qui engloutissent tes biens, mais sans toutefois que ces choses soient pour la gloire de Dieu. You can undertake things that brings in a lot of goods, but may not be for the glory of God.
Il y a des frères qui prennent la dîme. Ils prennent la dîme, eux-mêmes ils dépensent. Ils disent c'est la même chose, c'est la dîme de Dieu. Ils donnent aux pauvres eux-mêmes. There are some brethren who take the tithe and they spend it. They say it's the same thing. They give it to the poor. They say it is for the glory of God. It's the same thing. Ils se donnent la liberté de dépenser la dîme de Dieu. They give themselves the freedom or the liberty to spend the tithe of God. La parole de Dieu dit que la dîme doit être amenée chez le sacrificateur. The word of God says that the tithe must be brought to the priest. Pour qu'il mette ça dans sa poche. Not for him to put it in his pocket. Qu'il utilise pour l'œuvre dans la maison de Dieu. But he should use it for the work in the house of God. C'est le sacrificateur qui sait comment orienter les dépenses de la dîme dans la maison de Dieu. It is the priest who knows how to direct the expenditures in the house of God. Un homme du peuple n'a pas le droit de garder ce qu'il devait donner à Dieu, de garder ça lui et de dépenser ça lui-même. A man of the people cannot keep the money in his pocket and spend it himself as he wants. Ça c'est être riche pour soi-même. This is to be rich for yourself. J'exhortais quelqu'un. I was encouraging somebody qui ne comprenait pas cette vérité. Who did not understand that truth. Pour qu'il se taise, je lui ai dit, voici ce que moi je fais. For him not to, to keep on speaking, I told him, this is what I do. Dès que j'ai le salaire, la part de Dieu est déjà donnée. As soon as I receive the salary, the portion of God is already given. Et dans mon budget, parce qu'il dit qu'il disait qu'il donne aux frères, mais il donne aux frères, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Je dis non, voici ce que moi je fais. He said that he himself gives the tithe to the brethren and it's still the work of God. And I told him, no, this is what I do myself. J'ai d'abord un budget pour les frères. I first of all have a budget for the brethren. J'ai un budget pour la famille. I have a budget for the family. J'ai pour mon argent de poche. And I have my pocket money. J'ai pour la nourriture. And I also have a budget for the food. Si quelqu'un vient. If somebody comes. D'abord, dès que j'ai mon salaire, j'enlève la part de Dieu. Je donne. First, as soon as I receive my salary, I remove the part of God and I give. Si quelqu'un vient. If somebody comes. Je donne ce que j'ai réservé pour les frères. I give the one I kept there for the brethren. Si ça finit. If it is over, si quelqu'un vient, if somebody comes, je donne ce que j'avais réservé pour mon argent de poche. I give that which I kept for my pocket money. Et si quelqu'un vient, et je n'ai plus rien. And if somebody comes and I possess nothing anymore, je commence à voir comment diminuer pour la nourriture. I start seeing how to decrease, to take from that of the food. Il a compris. He understood. Parce que quand le diable tente quelqu'un, il pense, il te fait croire que tu es intelligent. When the devil tempts somebody, he makes you believe that you are intelligent, you are wise. S'il y a une situation très contraignante encore. If there is a situation that is very much more difficult, tu dépenses ce qui était pour la nourriture de la famille. You spend that which was pas for Dieu. The food of the family, not that of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut être riche pour Dieu. You must be rich for God. Faut pas t'accrocher à ce que Dieu lui-même t'a donné. Do not hang to that which God himself gave you. Au point de le lui cacher. To the point of hiding to alors him. Alors que lui, il a tout vu. Though himself have seen everything. Et il sait tout. And he knows everything. Tu renonces à tes droits. You give up your rights. Un bon disciple. A good disciple. Renonce à ses droits. Gives up his rights.
Il se laisse dépouiller. He let himself being stripped off. Il renonce à tout. And he gives up everything. Parfois même avec des larmes. Sometimes with tears. Il faut renoncer à tout ce qu'on possède. 100%. Tout veut dire à 100%. You must give up all that you possess. Pas that 10%. Is 100%, not 10%. Pas 20%. Not 20%. Pas 50%. Not 50%. Pas 90%. Not 90%. Mais à 100%. 100%. Le renoncement à tout, giving up everything, aboutit à un acte concret de consécration. Takes you to a concrete act of consecration. Où tout appartient à Dieu. Where, in which all, everything belongs to God. Tout. Everything. Et c'est Dieu qui te donne le pain quotidien. And it is God who provides daily bread to you. C'est lui qui te guérit de tes maladies. He's the one who heals you from your sicknesses. Beaucoup d'enfants de Dieu ont négligé les épargnes. Many children of God neglected some savings. On dit que c'est les affaires du monde. Saying that these are the matters of the world. Un jour, le frère Zach disait, one day, Brother Zach was saying que certains frères passaient devant une banque. Some brethren were passing near a bank. Et un dit, and one said, voici le lieu où les non-croyants viennent garder leur argent. Here is the place where the non-believers come and keep the money. Et il a ironisé en disant, oui, et il garde quand même pour mais toi tu en terre pour toi dans le ventre. And he said, through an irony, saying que, that, mais eux, que les païens, eux, ils ont quand même la sagesse pour épargner, mais certains enfants de Dieu, c'est dans leur estomac. He said that the unbelievers, they have the wisdom to keep, in to save in a bank, but for the children of God, many children of God, it is buried in the belly. Ça veut dire que épargner n'est pas un acte profane, un acte de péché, de manque de consécration. That is saving is not an act of lack of consecration or an unbelieving act. Tu peux épargner comme tu veux. You can save money as you want. Mais ce que Dieu te demande. But what God requires from you. Au fond de toi-même. Deeply inside yourself. Qu'il soit établi. It must be established. Que tout ce que tu as appartient à Dieu. That all that you possess belong to God. Relis les questions. Read the questions again. Il faut lire. Read. De manière à susciter la réflexion. In order to raise reflection. Ces questions complètent ce que nous sommes en train de dire. These questions are, they complete that which we are saying. Et quand tu as le temps, tu médites sur ces questions-là. And when you have time, you meditate on these questions. Lis. Read. Question numéro 1. As-tu renoncé à ton emploi? Y travailles-tu avec le seul but de glorifier le Seigneur et de gagner de l'argent pour le dépenser dans l'entreprise de l'Évangile? 2. Où est ton trésor? 3. As-tu renoncé à ton salaire? 4. As-tu donné par un acte personnel de soumission tout ton salaire, ton terrain, tes maisons, tes économies, etc. au Seigneur? 5. As-tu renoncé à ton droit à l'aisance, au luxe, au confort? Es-tu en train de vivre pratiquement le renoncement sur une base quotidienne?
Question 6. As-tu renoncé à ton droit au goût raffiné dans les vêtements et dans les aliments, etc.? 7. As-tu des plans d'acheter une voiture, un terrain, une maison, etc., que le Seigneur n'a pas approuvé? 8. Qu'as-tu comme trésor sur terre? Fais une liste de ces choses. Est-il là où la teigne et la rouille et les voleurs et autres ne parviendront pas? Question 9. Gardes-tu l'argent en banque pour le soustraire des besoins courants de l'Évangile, alors que le Seigneur ne t'a pas personnellement demandé de le garder pour lui en ce moment? 10. Le Seigneur t'a-t-il demandé de donner de l'argent pour son œuvre maintenant, mais que tu n'as pas encore donné? Que feras-tu à ce sujet? 11. Te rassures-tu que l'argent que tu investis dans les différents projets qui semblent être entrepris au nom du Seigneur est réellement de l'argent donné au centre de la volonté de Dieu et à son ordre? 12. Peux-tu décrire ton alimentation, ton logement, ton habillement, ta manière générale de dépenser de l'argent comme digne du Seigneur? 13. Fais-tu tout ce que tu peux pour améliorer ta position financière afin d'avoir plus d'argent à investir dans l'entreprise de l'Évangile? Ceci peut être l'achat d'un terrain, la construction de maisons ou la mise sur pied d'une entreprise honnête. 14. As-tu jamais supplié le Seigneur ou un de ses serviteurs de t'accorder l'honneur d'accepter ton don pour l'investir dans l'œuvre de l'Évangile? 15. Combien as-tu déjà envoyé dans ton compte au ciel? 16. Es-tu libéré de l'amour de l'argent, des choses, etc.? 17, enfin. Es-tu satisfait de ce que tu possèdes en ce moment? Ou bien, y a-t-il un désir ardent pour en avoir plus? Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, ta manière d'organiser les dépenses. So the way you organize your expenses peut te permettre de savoir à qui tu as gardé, à qui tu donnes ton argent. Can allow you to know to whom you give your money. À qui tu as disposé tes biens. To whom you have disposed your goods. Les chaussures, les habits, the shoes, the clothes peuvent engloutir tout tes biens, tout ton salaire. They can swallow all your salary. Il y a des gens qui n'ont pas de bon salaire. There are people who do not have a good salary. Mais qui ne peuvent pas habiter n'importe où. But who cannot live anywhere. Quelqu'un a 200 000 francs par mois. Somebody earns 200,000 per month. Et il habite une maison de 160 000. And he lives in a house of 160,000. Ou 150 000. Or 150,000. Il n'a même pas encore payé la dîme, il lui reste 50 000. He has not even paid the tithe, and
The remaining money for him is 50,000. Il a le transport, la nourriture, le téléphone. Transportation, zero. Food, and the telephone. Il y a une gestion folle du budget. There is des revenus. Une gestion folle des revenus. There is a crazy management of incomes. Il faut organiser les dépenses. You must organize the expenses. De telle sorte qu'il y ait toujours une épargne. So that you always possess, I mean, have a saving. Les gens qui gèrent bien leurs revenus. Those who manage their income well. Sont facilement fidèles aux dons à Dieu. They are easily faithful to the gift to God. Un frère. A brother. Qui a 200 000 francs par mois. Who earns 200,000 per month? Qui refuse n'importe quelle maison? Who refuses any house? Il se dit que les gens vont se moquer de lui. And who tells himself that people will mock him? S'il habite dans ce quartier-là. If he lives in such a quarter. Un quartier où il pouvait payer le loyer à 50 000. A quarter where you could pay the house rent 50,000. Il va là où il doit payer 150 000. And he goes and live where he must pay 150,000. Ce frère va vivre des dettes. This brother will live out of debts. La Bible dit. The Bible says. Qu'il faut. Voyons ce verset ensemble. Let us see that verse together. Proverbes chapitre 12, le verset 9. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Amen. Encore. Again. Proverbes 12, le verset 9. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Amen. Accepte les conditions humbles, les conditions de vie humbles. You must accept humble conditions of life. Selon la mesure de la grâce de Dieu pour toi. According to the measure of the grace of God for you. Si tu gères bien tes revenus, if you manage your incomes very well, tu en auras pour le loyer, you will have for the house rent, tu en auras pour manger, you will have money to eat, tu en auras pour payer le transport, you will have to pay your transportation, tu en auras pour donner à Dieu, you will also have to give God, tu en auras pour aider les frères et la famille, you will have to help the brethren and the family, tu en auras pour épargner. And you also have to save. Et tu peux même avoir un serviteur, quelqu'un pour t'aider à la maison. And you can even have a servant, somebody to help you at home. Et qui a un salaire. And who has a salary. Mais quand tu as 500 000. But when you have 500,000. Et ton loyer. And your house rent. C'est 450 000. Is 450,000. Tu vas aller demander un découvert. You will go and find a credit pour achever le mois. To end the month. Ça, c'est un cycle de dette jusqu'à la retraite. This is a cycle of debt up to your retirement. Tu entres à la retraite pauvre comme une souris de l'église. You'll be retired poor as a mouse of the church. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous savez, il y a la sagesse de Dieu dans la loi de Dieu. You see, there is the wisdom of God in the law of God. Ce que ton cœur regarde, c'est je dois renoncer à tout, mais il faut regarder le gain éternel de cet acte de la foi. What your heart is concentrated on is I have to give up everything, but you have to see the eternal life of God in it. Tu gagnes Christ. You win Christ. Lis pour nous Philippiens 3. Lis le verset Philippians 5 et 6. Philippians 3, read verse 5 and 6.
Philippiens chapitre 3, les versets 5 et 6. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Philippians 3, reading from verse 5 to 6. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. Continue. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Continue. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Praise the Lord. J'ai renoncé à tout. I have given up everything. J'ai renoncé à tous les titres reliés à partir du verset 5. And we read from verse 5. Lisez à partir du verset 4. Start reading from 4. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Moi aussi cependant. Voilà les choses que Paul possédait. These are the things that Paul used to possess. J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour. Circoncis le huitième jour. Circumcised on the eighth day. De la race d'Israël. De la race d'Israël. Of the people of Israel. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Of the tribe of Benjamin. Hébreu, né d'hébreu. Hébreu, né d'hébreu. Hebrew of Hebrews. Quant à la loi, pharisien. Quant à la loi, pharisien. In regard to the Lord, a Pharisee. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. As for zeal, persecuting the church. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. As for legalistic righteousness, faultless. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. But whatever was to my profit. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. I now consider loss for the sake of Christ. Et même je regarde toutes choses. What is more, I considered everything comme une perte, a loss, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Compared to the surpassing greatness of knowing Christ. Pour lequel j'ai renoncé à tout. For whose sake j'ai renoncé à tout. For whose sake I have lost all things. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. I consider them rubbish that I may gain Christ. Pour lequel j'ai renoncé à tout. For whose sake I have lost all things. Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pharisien, persécuteur, etc. J'ai renoncé à tout. Benjamin, Hebrew, persecuting the church, I have given up everything. Tu ne peux plus entendre l'apôtre Paul en train de dire à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. You cannot hear Apostle Paul telling somebody, I'm not anybody. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Père de famille. A family father. Dirigeant d'assemblée. A leader of an assembly. Tu dois renoncer à tout. You must give up everything.
Chef de département, chief of department, tu dois renoncer à tout. You must deny all these things. Ancien, elder, diacre, deacon, tu dois renoncer à tout. You must give up everything. Tu dois renoncer à tout. You must give up everything. Afin de gagner Christ. In order to gain Christ. Donc le renoncement est au cœur de la formation des disciples. So renouncing is the core of the disciple, the making of disciple. Lis pour nous 2 Philippiens chapitre 2 verset 1 à 4. Read for us Philippians chapter 2, reading from verse 1 to 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. S'il n'y a pas de vrai renoncement, if there is not a true denial, on ne peut pas mener une vraie vie chrétienne, une vraie communion fraternelle. We cannot live a true Christian life or a true brotherly fellowship. Parce qu'il faut que chacun de nous renonce à ce qu'il était pour qu'on puisse poursuivre le même but, la même vision. Because each of us should give up that which he was so that we can look in the same direction and pursue the same vision. Pour aller ensemble, for us to go together, je dois regarder mon frère comme supérieur à moi. I must consider my brother as above me. Je dois renoncer à moi-même. I must give up myself. Je dois rechercher l'intérêt de l'autre. I must seek the interest of the other. Qu'est-ce que les autres gagnent parce qu'ils sont avec moi? What do the others gain because they are with me? Quel est le bonheur d'être avec moi? What is the happiness of being with me? Si je suis rempli de moi-même, if I am filled with myself, et que je ne pense à personne d'autre, and that I think about no one else, que je pense que je suis fort, intelligent, sage, and I think that I am strong, wise, and intelligent, digne de louange et d'admiration, worthy of praise and admiration, centre d'intérêt de tout le monde, the center of interest of everybody. Je veux que chacun rie avec moi, que chacun pleure avec moi, que chacun marche avec moi. I want everybody, each one, to walk with me, to laugh with me, and to cry with me. Qu'on mentionne mon nom dans les témoignages. That my name be mentioned in testimonies. Tout pour moi-même. Everything for myself. Qu'est-ce que les autres gagnent? What do the others gain? Une même âme, un même amour, un même sentiment, un même cœur, un même esprit. The same mind, the same spirit, the same feelings. C'est un travail conscient. It's a conscious work. De consécration active à la recherche des intérêts suprêmes de Dieu. Of an active consecration to in search of the supreme interest of God. C'est à partir de cette position là qu'on aime tous ceux qui aiment Dieu. It is from that position that we love all those who love God. On veut être avec ceux qui aiment Dieu. We want to be with those who love God. J'ai dit à certaines personnes, I told some people, comment tu as fait pour rester? Qu'est-ce qui est dedans? Moi, je ne vois rien. Je vois les gens marcher tous les jours attachés à Jésus. Qu'est-ce qu'ils voient?
I asked some people, how did you manage to remain? I don't see anything in it. I just see people always attached to Jesus. What do they see? Les vrais disciples. The genuine disciples ont renoncé à eux-mêmes dès le premier jour. Gave up or they denied themselves starting from the first day. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un. When we preach the gospel to somebody. Quand l'évangile est selon la vérité. When the gospel is according to the truth. Il pose le même jour l'urgence ou l'exigence de renoncement à tout. On the same day, he sees the emergency of the denial to all. Un bon acte de repentance est un acte de renoncement à tout. A good act of repentance is an act of giving up everything. Tu dis à Jésus, tu as gagné. You tell Jesus, you have gained. Mes ambitions sont enterrées. My ambitions are buried. Il y a des jeunes filles, elles sont là, tu penses qu'elles sont sincères, alors elles cherchent les passages pour aller être servantes au Maroc ou bien au Koweït. You see some young girls there, you think that they are serious, though they are trying to find ways how to go and be maids in Morocco. Des réseaux de fraude pour avoir le passeport. Some networks of fraud for them to get passports. Avec celles-là, with those ones, vous, hey, deux personnes viennent là. Vous deux. Two people come here. Come. Je veux deux personnes. I want two people. Montez. Come up here. Quand on a deux visions, on ne peut pas marcher ensemble. When we have two visions, we cannot walk together. Ces frères, supposons qu'ils s'aiment beaucoup, ils sont des enfants de Dieu. These brethren, let's suppose that they are children of God and they love themselves a lot. Ils sont membres d'une même communauté. Vous voyez comment nous sommes dans une même salle. They are members of the same community. You see how we are in the same room. Et ils vont accomplir leur projet. And they want to accomplish their project. Allez, que chacun marche. Let each one walk. Est-ce qu'ils sont ensemble? Are they together? Vous voyez? Ils ne pouvaient pas être ensemble. They cannot be together. L'autre regarde aux États-Unis, l'autre regarde en Inde. One looked in the United States and the other one looks in India. Et ils font des plans pour conquérir ensemble. Viens et revenir. And they make some plans to conquer together. Pendant ce temps, in the meantime, il va aller aux États-Unis. He wants to go into the USA. Lui va aller se chercher en Afrique du Sud. This one wants to go in South Africa. Ils disent qu'ils sont des enfants, ils ont cru dans la même communauté. And they said that they have believed in the same community. Marchez donc pour commencer à faire votre œuvre. Let us walk then to start doing your project. C'est ce qui arrive toujours quand on n'a pas renoncé à soi-même. This is what happens always when you have not denied yourself. Chacun poursuit ses intérêts. Each one pursues his interest. Revenez. Come back. Lis le verset de Philippiens 2. Read the verse in Philippians 2. Philippiens chapitre 2. Verset 2. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Make my joy perfect. Ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment. Being like-minded. Un même amour. Un même amour. The same love. Une même âme. Une même âme. Being one in spirit. Une même pensée. Une même pensée. Obéissez à cette parole. Si vous devez obéir, qu'est-ce que vous allez faire? If you want to obey, what are you going to do? Allez travailler, servez Dieu. Acclamation. Yes, go and voilà. Serve God. Clap of. Une même âme, une même pensée, un même amour. The same spirit, the same love, the same thought. Ça va marcher. It will work. Continue. Continue. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Do nothing out of selfish ambition. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Or vain conceit. Mais que l'humilité. Mais que l'humilité. But in humility. Vous fasse regarder les autres. Vous fasse regarder les autres. Consider others.
comme étant au-dessus de vous-même. Comme étant au-dessus de vous-même. Better than yourselves. Verset 4. Marchez maintenant. Now que... walk. C'est fini. Acclamation. Clap offering. Quand les gens sont accrochés aux intérêts égoïstes, when people are hung to selfish interests, ils ne peuvent pas marcher ensemble. They cannot walk together. Même s'ils sont dans une même salle. Even if they are in the same hall. Chacun a le regard fixé sur son idole. Each one has his eyes, his gaze on his idol. Pour marcher ensemble, for people to walk together, faut renoncer à toi-même. You must deny yourself. Tu renonces à tes intérêts. You must renounce your interests. Tu dis, you say, il faut qu'on poursuive les intérêts de Christ. We must pursue the interests of Christ. L'autre dit, mon frère, moi aussi, je veux venir avec toi. The other one says, yes, my brother, I also will come with you. C'est pour cette raison qu'il est dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues? That's why it is written that can two people walk together without getting along? Frère bien-aimé, beloved brethren, le renoncement, the renouncement, est la clé de la croissance, is the key of the growth, la clé de la croissance, key of growth. Ce que tu es, that which you are, est placé sous l'autel du sacrifice, is set on the altar of sacrifice. Un paresseux ne peut pas se, ne peut renoncer à rien. A lazy man cannot deny. Il n'a rien dont il peut renoncer. Cannot give up something, anything, because he has nothing. Tu travailles. You work. Tu possèdes. And you possess. Et tu renonces à tout. And you give up. Tu es riche pour Dieu. You are rich for God. Tu es sage pour Dieu. You are wise for God. Tu es intelligent pour Dieu. You are intelligent for God. Tu es grand pour Dieu. You are great for God. Quand tu es aimé, tu es aimé pour Dieu. When you are loved for God. Tu es aimé pour Dieu. You are loved for God. C'est-à-dire que tes amitiés, tu les amènes à la conquête. That is your friendship, you bring them to God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quatre personnes viennent prier. Four people come to pray. Père éternel, je te dis infiniment merci ce soir parce que tu m'ouvres les yeux pour comprendre que renoncer à tout est une exigence et non une option. Seigneur, merci parce que tu me fais comprendre ce soir que renoncer à tout est au cœur même de la formation des disciples. Seigneur, merci pour cette vérité fondamentale. Oh Seigneur, merci parce que tu ouvres mes yeux pour comprendre que renoncer à tout est un acte réel de consécration. Seigneur, je saisis cela et je m'inscris là-dedans. Que toute la gloire, la louange, l'adoration te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres, oh Seigneur, que le renoncement est la clé de la croissance, Seigneur. Merci parce que tu nous montres, oh Seigneur, que nous devons renoncer à tout, oh Seigneur, pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, bénis-nous avec la capacité, oh Seigneur, de renoncer à tout. Bénis-nous avec cette sagesse, Seigneur. Dépose en nous ta puissance, Seigneur, afin de renoncer à tout. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette révélation, ô notre Père, que sans le renoncement, chacun poursuit ses propres intérêts. Seigneur, merci de nous faire comprendre cela ce jour, ô notre Dieu. Donne-nous la puissance, Seigneur, de renoncer à tout, de renoncer à soi-même, ô Père, afin de travailler ensemble, Seigneur, pour les intérêts de Christ. Nous te supplions, notre Père, nous te supplions, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, Seigneur, que tu nous fasses comprendre, Père éternel, que le voile se déchire, que le voile se déchire, afin que nous puissions renoncer à nous-mêmes,
Seigneur, à soi-même, ô Père, afin de marcher main dans la main, Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre. S'il te plaît, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ces vérités fondamentales. Seigneur, j'ai compris que le renoncement est la clé de la sanctification. Seigneur, pour marcher avec toi, il faut renoncer à tout et avoir un intérêt en commun, un intérêt commun, non pas un intérêt personnel. Seigneur, j'accepte de renoncer à tout. Seigneur, bénis-nous, capacite-nous, ô Dieu, à renoncer à tout et de marcher main dans la main, ensemble, Seigneur, afin de faire avancer ton œuvre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons, restons dans Philippiens, lisons le verset 5 au verset 11. Let us remain in Philippians and read verse 5 up to 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'apôtre Paul montre ici, Apostle Paul shows here, les sources d'inspiration du travail qu'il avait eu à faire lui-même. The sources of the inspiration of the work that he did himself. Vous savez que dans Philippiens chapitre 3, il dira au verset 17, soyez mes imitateurs. You know that in Philippians chapter 3 verse 17, he says, you be my imitators. Soyez les imitateurs de ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu de nous. Be the imitators of those who walk according to the model, the example you received from us. Jésus s'est dépouillé lui-même. Jesus stripped himself off. Il s'est humilié lui-même. He humbled himself. Il a pris une forme de serviteur. Il est d'abord devenu semblable aux hommes. He became like man and took a form of servant. Il est devenu serviteur. He became a servant. Il s'est rendu obéissant. He made himself obedient. Jusqu'à la mort de la croix. Up to the death of the cross. C'est un travail de renoncement. It's a work of renouncement. Afin que toute sa vie soit une offrande agréable à Dieu. So that all his life becomes a pleasant offering to God. Tout ton être déposé, parce qu'il ne faut pas voir seulement renoncer à l'argent. On a dit renoncer à tout, tout. All your being laid down. That is, you must not see, only see giving up money, but you have to give up everything, everything. Mais le travail que tu fais pour abandonner tout, tout et tous les péchés, c'est un travail de renoncement à tout. Even the work that you do for you to abandon all the sins is a work of renouncing everything. C'est un travail pour te consacrer à Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu. It's a work to consecrate yourself to God, to live in the presence of God. Qu'il peut t'appeler à n'importe quelle heure, tu dis, me voici. He can call you at any time and you say, here I am. Je médite toujours. I always meditate sur comment faire on how to do pour qu'une église locale for a local church soit concentrée comme les premiers disciples.
to be concentrated as the first, the early disciples. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce travail de renoncement pour que chacun se sente esclave des autres? What must we do in this work of renouncement so that each one will feel himself a slave of the others? Esclave de Dieu et esclave des autres. A slave of God and a slave of others. Pour que chacun se sente engagé. For each one to feel himself committed. Obligé, contraint. Compelled and obliged. À être présent à toutes les prières. To be present at all the prayers. À être présent à l'adoration. To be present at the church service. À poursuivre les grands intérêts de Dieu. To follow the great interests of God. Frère, quand quelqu'un poursuit les intérêts de Dieu. Brethren, when somebody pursues the interests of God, il est impossible qu'il reste couché pendant que les autres sont en train de prier. It is impossible for him to remain lying down there while the others are praying. Il paye les dîmes spontanément. He pays his tithe spontaneously. Il donne les offrandes volontaires spontanément. He gives the free will offering freely. Il recherche la paix. He seeks peace. Spontanément. Spontaneously. Parce qu'il ne s'appartient pas. Because he does not belong to himself. Quand les gens ont raté le renoncement. When people have missed or failed renouncement. Ils sont arrogants. They are arrogant. Ils ne parlent pas de la part de Dieu. They do not speak from the part of God. Ils méprisent les frères. They despise the brethren. Ils pensent qu'ils sont intelligents. They think they are intelligent. Ils manquent les réunions. They are missing at the meetings. Certains vivent dans le péché volontairement. Some others live in sin willingly. Ils posent des actes de vaillance pour qu'on les admire. They take some mighty actions for them to be admired. Mais ils sont éloignés de Dieu. But they are far from God. Jésus s'est rendu obéissant. Jesus made himself obedient. Jusqu'à la mort. To death. Jusqu'à la mort de la croix. To the death of the cross. Que le Seigneur soit glorifié. May the name of the Lord be glorified. Amen. Amen.